Dana ? Vous êtes une mythologue ? Évidemment. Pourquoi je vous ai cru ? Vous n'aviez pas le choix, Isaac. Quand j'ai parlé du remède, vous avez marché. Pourquoi vous faites ça ? Vous pourriez pas me foutre la paix pour changer, hein ? Vous êtes très dangereux, Isaac. Le gouvernement ne veut pas vous voir détruire son précieux monolithe. Après tout, c'est votre œuvre. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est pour ça que vous êtes ici. Construire des monolithes, répandre sa glorieuse convergence à travers la galaxie. Je rêve. Vous êtes complètement cinglé ! Donnez-moi ce putain de remède que je me casse ! On n'a pas l'intention de vous soigner, Isaac. Putain. Votre précieux petit cerveau nous convient parfaitement comme ça. Mettez-le dans la navette et plongez-le en état de stase. Il serait regrettable de le voir mourir. Oh purée! Oh, elle s'est fait déchiqueter! Purée. Wow. En bois. Cours, Isaac. Oh purée. Ah, il est juste derrière. Wow. Mais c'est quoi ce jeu de psychopathe ? Là, si on n'a pas réveillé un monstre. Comment il a survécu, le monsieur ? Épisode 6, direct. Isaac, vous êtes là ? Oui ? Vous me recevez ? Qu'est-ce qu'il y a, Strauss ? Tout est fini. Mon plan a complètement foiré. Non, c'est pas fini. Du moins, pas encore. Isaac, c'est notre œuvre. On peut la détruire. Quoi, le monolithe ? Vous savez où est le monolithe, Strauss ? C'est au siège étatique, le gouvernement. Mais il faut qu'on se mag. Parce que le temps passe pour moi, pour vous. Strauss, vous allez où ? Merde. J'ai pas confiance à toi. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dead Space numéro 2, attention, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans la laverie automatique, donc une seconde laverie automatique, hein, puisqu'on on avait déjà croisé une. Je vais vérifier, comme à la coutume, mes munitions, et on va pouvoir continuer ça, notre petite épopée, tranquillou. Donc je crois que c'est B, donc ils me disent d'aller là. Mais je crois que je viens d'ici et j'ai envie de vérifier
Pourquoi c'est glauque ici? Ah, j'ai pas de place. Faudra que j'essaye de retenir et de revenir ici. Mais alors, du coup, on est revenu par le monolithe, alors si j'ai bien tout compris. Parce que là, on y était, là, dans l'épisode 3, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble. Oui, je joue avec mon micro parce qu'en fait, le son, j'ai remarqué qu'il faut que je sois très près pour qu'on m'entende vraiment bien. Et ça, ça m'énerve. Du coup, bon, bah écoutez. Ok, je vous déroge pas plus. Par là-bas. Oh non. T'as plus de tête. T'as plus rien. Alors on se fait en doctrine. Oh c'est triste, il regardait les photos de son mariage et tout, je crois, et de sa petite fille, il y a l'air. Donc c'est marrant parce que le corps de la fille, vous allez pas la voir. Hein. Vous allez pas voir le corps des enfants. Donc ils vous ont caché ce détail, les vilains coquinous. Oui, je suis bien en enregistrement. Je vérifie toujours hein, parce que moi il m'arrive que des merdes. Donc du coup je préfère. C'est fermé. Ouais, j'espère que ça restera fermé. Ouais, là, je fonce comme ça, mais il peut m'arriver une bricole, hein, un truc qui sort et tout, c'était l'occasion. Lui prenait sa douche. Manque de peau. Ça c'est le réveil qui a sonné, les amis. On va se choper un monstre là, c'est obligé. Ils avaient peur de nous après les séances. Je m'en souviens. On était dans la machine pour les séances. Les étapes. Je me souviens pas de tout ça. Vous avez une sacrée veine. Car sinon, ils reviendraient vous choper. Qui? Qui reviendrait? Qui? Oh, bah dis donc. Tu pousses vite. Où tu Strange, vas? Ne le suivez pas, il n'est pas réel. Oui, là, on a des hallucinations tous, donc ça me rassure. Je suis pas tout seul dans cette station ou cette ville sur une planète très méconnue. Bon, prenons l'ascenseur. N'empêche, l'épisode précédent. Était assez space, hein. C'est le cas de le dire, donc petite sauvegarde. Oui, on est dans l'épisode 6. Ouais, on avance bien, mine de rien. Je suis content, moi je suis fier de nous. Je suis fier de nous, on avance bien, on avance mieux que Alien. Oh non. Non, en fait, c'est une autre salle du monolithe là, je crois. Quoique. Ils vont pas me refaire le coup. On va refaire le coup de toute façon. What the fuck, man? Petite saucisse power. Là derrière, Isaac. Isaac. Putain, on sera agressé par des saucisses ici. Qui l'aurait cru? Il y en a combien? Des malades. Mais dégage avec ta queue, sale rat. C'est quoi la touche pour les pour prendre ça? Parce que là j'appuie. Ah, j'en ai plus. J'ai plus de soins en fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Un soin.
Maman. Mais ils m'en ont mis combien là? C'est un truc de malade. Maintenant il me reste plus beaucoup de munitions en plus. Sur tout ce que j'avais. Donc c'est par là, mais là... Oh non, c'est bien, c'est pas bientôt fini là, votre cirque. Et pas de petites saucisses. Ah c'est ça, j'ai perdu en munitions, je crois. Mais attendez, pas de panique, parce que là, de toute façon... Bon, en fait, vous pouvez pas paniquer. Bon, je peux faire mon commerce, là, tranquille. S'il vous plaît, please. Des soins. Il faut que j'en achète, parce que là, ça devient inventaire plein. Non, mais tu te fous de moi avec mon inventaire plein. Je peux juste acheter ça, une bricole comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ça. Oui, sans regret, t'inquiète pas. Et comme ça, je vais racheter des soins, un gros soin. Voilà. L'inventaire est plein. On va dire que, écoutez, ça va faire l'affaire. Hein. Il y a plutôt intérêt, donc on n'a pas de sauvegarde. Et je crois que comme un guignol, je viens d'utiliser mon gros soin. Ah là là, mais je suis vraiment à bouler là, c'est la panique qui parle. C'est dingue, c'est un truc de fou en plus, c'est vrai. Hein. Je me suis trompé de touche là, ça arrive. Hein. Alors ça, je sais pas, en termes de tenue, je sais pas quoi changer, quoi faire en fait. Je suis un peu perdu dans cet épisode, les amis. Parce que autant dans le 1, c'était beaucoup mieux, je trouve. Les achats d'armure. Bah, c'est évolutif, vous savez. C'est mon ombre. Un anus en moins. Ah, ça ressemble à un anus. Ne dépense pas toutes tes munitions là-dedans. Plus de munitions d'ailleurs, en parlant de ça. Oh, je déteste ces mines de caca là, je les déteste. J'ai l'oreille droite qui siffle. Oh, sauvegarde. Voilà, je crois que je peux utiliser un point de force ici, hein. Ça va peut-être... ouais. Oui. Normalement là il y a la caverne d'Ali Baba qui m'attend. Surtout des sous. Inventaire plein, mais il n'y a rien en fait dans votre bazar. Alors là je vais un peu améliorer, je pense si je peux, la traillette parce que bah, j'en ai vraiment besoin. Ça va être mon arme là. Donc, oui, pour ça. Ok, pour l'instant je peux plus. J'ai rien pu faire. Bon, on re-sauvegarde avant d'aller dans la pièce suivante parce que je le sens vraiment pas. Voulez-vous vraiment écraser? Bah oui, je veux écraser. Ah, on avance de toute façon. Allez. Oh, mais que c'est beau, il fait la roue. Oh purée. Alors cette zone, je l'aime pas. Clairement, il fait sombre. Il y a des...
Oui, c'est moi le technicien. Je crois qu'il fallait faire ça, les amis. Parce que ça, c'est une pompe. Ah, bah c'est la même en fait. Je vais voir si on doit pas mettre ça quelque part. C'est plein. C'est fermé. Ah, on voit rien. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose en fait avec ça. Si ça se trouve, je dois le remettre. D'accord. On va faire ça, juste alterner les deux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans une pipe en bois? Je vais aller là-bas. Mais je suis bloqué, complètement bloqué. Ah mais attendez, c'est sans gravité, c'est ça? Donc si c'est sans gravité, on va essayer de passer par là, hein. T'as vu? Eh, la classe, hein. Vous avez vu les amis ce qu'il y a là? Il y en a un en hauteur. Logiquement, on a tout mis. On a tout mis, hein, c'est ça. Hein. Oh, c'est ce truc-là, je déteste être comme ça. Ça me... Ah ouais, c'est un truc de fou, ça me rend mal. Attendez, on va s'asseoir. Donc lui, normalement, il est activé. Pompe à air activé. Est-ce qu'il y a un truc à faire après ou pas? Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire les amis? On va rester bloqué 150 ans ici, vous allez voir. Là, il doit y avoir un truc qu'on doit réparer, je sais pas. Là peut-être par ici là. Attendez. Ouais non, en fait les petits les amis, c'est je crois que c'est ça en fait. On désactive les trois pompes. Excusez-moi, je vais faire retour Windob. Alors je crois qu'il faut désactiver les trois pompes, hein. Parce que s'ils sont activés, ça fait rien. On va voir si on les désactive les trois. Parce que là en fait on coupe l'arrivée d'air. Ah ouais. Ah ouais, complètement. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais je l'avais pas vu, moi, ce bébé. Ah. D'accord. Ça s'est pété. Dégager les tentacules. Bien sûr, ils sont où? Oh là là. Heureusement qu'on a du temps. Enfin,
C'est pas qu'on a du temps, mais qu'on puisse... on puisse respirer un peu plus longtemps. D'accord. En fait, en rentrant ici, je pouvais... Ok. Non, mais c'est... Pas de soucis, franchement. Pas de soucis. Je vais jeter une boîte comme ça. Parce que moi, je vais vraiment... j'ai peur, là. Donc, je vais prendre les soins. Donc, faut que je fasse un... Purée. Non d'une pipe en mousse. Dingue ça. Ouais, je sais pas, j'avais appris sentiment. Je me dis non, mais allez, ils vont pas me faire ce coup là. Mais si. Les étapes. Il veut que je suive les étapes. Étape 1, pénétrer dans la machine. Strauss, du calme. Il vous fera pas de mal. Il veut que j'aille dans la machine Plurizac. Je peux pas. Elle y est. Elle m'attend. Strauss. Mon Dieu. Strauss, écoutez-moi. Vous devez continuer. Vous pouvez aller au train? Vous le pouvez? Il arrive. Ça sent mauvais dans l'air. Ça sent mauvais dans l'air. Avec une petite save. Moi je me sens mieux, mes amis. Eh bien écoutez les amis, c'est ici justement que nous allons nous quitter pour cet épisode de je ne sais plus combien, 7 je crois, 7 ou 8. Du coup, bah, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite et portez-vous bien. Bye bye.